vient tout simplement vraiment pour vous apporter notre message comme d'habitude. Il y a deux personnes, sans moi, donc le président du FASO lui-même, avec qui nous conversons régulièrement, et le ministre des Sports, donc, qui me charge donc de traduire tous ces enfants. Le pays compte sur vous, toute la nation compte sur vous, et vous êtes aujourd'hui les dignes représentants de notre pays. Vous servez le drapeau, nous aussi on sert le drapeau, nous tous, mais vous, c'est vous qui jouez. Donc je souhaitais d'abord, dans un premier temps, vous remercier, ça c'est très important, d'avoir accepté cet appel et d'être venu malgré les différentes contraintes des équipes, toutes sortes de contraintes, vous êtes venu. En tout cas, je souhaite d'abord vous dire merci d'être venu. Le football aujourd'hui, et le sport en général, reste pour le peuple burkinabé un grand moyen de réconfort. Le groupe vit bien, on est bien arrivé ici, les conditions qui sont tous réunies pour qu'on puisse voyager en Algérie. Et voilà, tout a été bien. Bon, demain c'est le match contre Niger. Voilà, c'est le plus grand rendez-vous qu'on à chaque fois on s'est dit ici. Donc il va falloir l'aborder avec beaucoup de combativité, beaucoup de discipline. Et voilà, je pense que tout le monde est prêt pour jouer ce match de demain. Et pour pouvoir dire un grand merci au président et au peuple burkinabé, c'est de gagner ce match et d'aller faire un bon résultat en Algérie. Bravo.